je suis fou. Faut que tu le saches. Salut Sofiane. Salut. Sofiane Benacer, vous êtes un jeune comédien. On vous avait vu dans le film de Samuel Benchetri, Cette musique ne joue pour personne. Aujourd'hui, vous êtes en tête d'affiche, hein, on peut dire, du film de Valeria Bruni Tedeschi, Les Amandiers, qui relate en fait ses années aux Amandiers avec Patrick Chéreau et Pierre Roman. T'es trop belle. Je m'appelle Étienne. En fait, je voudrais savoir, Sofiane, puisque les gens ne vous connaissent pas encore complètement, ce qui va pas tarder à mon avis, savoir d'où vous vient cet amour du théâtre, du cinéma. D'où vous venez, en fait? Bon, je vais vous expliquer, en gros. Moi, je viens d'une famille d'ouvriers, famille pauvre. Et un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, mais moi, je veux pas être comme eux. Je les aime et tout, ils se cassent le dos, mais moi, je veux pas être comme eux. Et par hasard, je suis tombé sur un truc, des cours de théâtre à la faculté et tout. Et voilà, mon amour du théâtre est venu là, d'un refus de ce que je devais être. Aujourd'hui, vous êtes 40. Et à la fin de ce stage, vous serez 12. Et tous pris, là. Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. Eh bien. C'est le centre de l'Europe, ce théâtre. L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène. On parle de Chéreau dans le film, donc Chéreau est vraiment le personnage qui irrigue un peu toute cette génération. Donc le film de Valeria Bruni Tedeschi, encore une fois, c'est une ancienne élève de Chéreau, donc elle faisait partie du théâtre des Amandiers. Donc l'ombre de Chéreau est là, mais ici on a un Chéreau qui est un peu désacralisé, c'est-à-dire effectivement c'est un humain face à tous ses paradoxes, c'est un petit bourgeois et en même temps avec des éclats. Louis Garrel dans le film n'est pas forcément Chéreau. Je trouve que Chéreau, il avait beaucoup plus... Il était beaucoup plus sombre et il imposait beaucoup plus le respect. Et quand il arrivait dans une pièce, tout le monde se taisait de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Louis, c'est pas forcément la représentation de Chéreau. Donc tous les deux, vous êtes toujours pas en costume, là? On y allait, là. Dépêchez-vous. Ah oui, Étienne, tu sais, la dernière fois en répétition avec Juliette... Quand tu manges la pomme, tu léchais ton couteau. Tu veux bien me le refaire? Hein? T'oublies pas? Qu'est-ce que vous avez en commun avec le personnage d'Étienne, en fait? Il me ressemble beaucoup. Il me ressemble beaucoup dans la part de sombre. Je suis quelqu'un de très sombre. J'ai du mal à rire, à sourire, tout ça. Et j'ai beaucoup souffert. Donc ça... Là, je me regarde en zoom, je suis ultra moche, mais dans la vie, je suis un peu plus beau quand même. C'est mon rêve de coucher avec toi. Moi aussi, c'est mon rêve. Je n'ai pas peur, je ne songe pas à avoir peur. Tu sais, je suis fou, faut que tu le saches. Tout le monde est fou. C'est comme si Étienne était venu vers moi et moi j'étais venu vers lui. On avait fait une alchimie, on avait grandi ensemble et on avait formé quelqu'un. J'ai fait un peu d'effort pour aller vers lui, c'est-à-dire que je me suis renseigné sur tout ce qui est héroïne. J'ai vu des films, je suis allé voir des drogués pour qu'ils m'expliquent comment on se pique, dans quel sens, toujours vers le cœur. Et ça, c'est pas du pipeau. Quelqu'un, un héroïnomane ou un ancien héroïnomane qui voit le film, il sait que quand je fais les choses, je mens pas. Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice et là, vous brûlez vos vies. C'est un métier de pute et de BD qu'on fait. Exactement, c'est ça. Exactement. Hein? Un jour, il va plus se retenir, un jour, il va plus être profondément gentil et tu vas rien comprendre. C'est pas un passe-temps de jouer, c'est pas rien. La femme de Franck a le sida. Et moi, j'ai couché avec lui deux fois. Votre rôle fonctionne vraiment en contrepoint complet à la lumière, en fait, de Nadia Tereskiewicz. Je voulais savoir comment ça s'est passé entre vous sur le tournage. Je t'ai attendu cette nuit. J'ai dormi chez ma mère. Moi, déjà, je me suis dit, je veux pas me mettre en couple avec toi. Avec Nadia, je veux pas être... si on parle sincèrement, je veux pas être en relation avec toi parce que ça serait trop facile. Et si je me mets en couple avec toi, on a eu un mois et demi de répétition. Si je me mets en couple avec toi, pour le tournage, ça va être impossible. Vaut mieux qu'on soit amoureux que sur le tournage. J'aime ton dos.
Tu vois là. Exactement là. J'adore. Il y a des scènes un peu... où elle embrasse truc. Moi, je voulais pas vraiment, parce qu'il y a toujours des petits soucis, des problèmes de jalousie. On voulait, elle et moi, s'éloigner de ça. Voilà. Dans votre vie, ça vous atteint, les histoires d'amour. Ça vous fait souffrir, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est la vie que vous êtes censé représenter. C'est vraiment incroyable dans le film. Merci beaucoup. Mais merci vraiment, beaucoup, Fabrice. Vraiment, c'est balèze. Merci beaucoup. Bon vent au film, vraiment. Merci. Métro, vélo, boulot, vous n'y êtes pas du tout. Cette semaine, les femmes lèvent le pied. Pour mieux lever le poing et défendre leurs différences, rendez-vous dans les salles. Des explosions, des fusillades et une prise d'otage, semble-t-il, à l'intérieur d'une bataille, une salle de concert. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception. L'amour de ma vie. La mère de mon fils. Comment affronter la disparition brutale de sa femme sans sombrer dans le désespoir ? Putain. Victime des attentats de Paris, Pierre de Ladonchamp se retrouve seul pour éduquer son fils. Vous voulez que j'ai peur ? Que je sacrifie ma liberté pour la sécurité ? Et vous n'aurez pas ma haine. Ça faisait longtemps, je pense, que j'étais féministe. Depuis au moins le CP. Depuis qu'on dit que masculin l'emporte sur le féminin. Je vais coller ça ici parce que je sais que les gens le verront. Et c'est juste s'imposer, en fait. Et j'adore cette idée. Sur un mur, j'ai vu « Je te crois », ça m'a bouleversée. Parce que c'est ce qu'on oublie de dire aux victimes. Cassez-vous ! C'est une expression de la colère qui est hyper nécessaire. À l'heure où notre gouvernement adopte un projet de loi qui vise à lutter contre le féminicide, les réalisateurs Marie Pérennes et Simon Depardon signent un docu-choc engagé qui dénonce les dérives du sexisme. Ça va, ça on passe. Il me dit, Gad, il rentre définitivement. Non, tu retournes après à... Non, j'ai envie de voir la famille, voilà, j'ai envie de vous voir encore. Pourquoi faire ? Balance, pourquoi t'es revenu ? C'est chaud, j'arrive pas à le dire. T'es pas malade, j'espère ? Non, je suis pas malade. David ? David ! J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux, là ? American Dream et Paradis sur Terre. Après avoir passé 3 ans chez l'oncle Sam, Gad Elmaleh retourne chez sa mère, une forte femme à qui il veut présenter sa nouvelle conquête. Marie, une sainte vierge pleine de grâce. C'est la 3e fois que tu te fais attraper. Tu vas me rembourser, hein, tu as compris ? Si vous avez besoin d'argent, je connais quelqu'un qui cherche une nounou et qui propose un logement qui va avec. La chose la plus importante, chante une comptine africaine. Chez les bobos, ça marche à tous les coups. Coller, coller la petite, jamais la petite, coller, coller. Bienvenue au square. Dites-moi, ici, ça se mélange pas trop, on dirait. Hein. Et nounou, c'est comme le foot, chacun son club. Angèle, c'est la tchatche et le culot, mais aussi les ennuis. Pour quitter son milieu, elle se fait engager comme nounou. Au square, elle découvre les autres nounous de ce quartier chic et décide de les aider.